Bonjour à tous, c'est Eva. Je vais vous présenter un jeu qui est en cours sur Kickstarter. Il s'appelle Dark Devotion. C'est un jeu fait par des Français. Il reste 11 jours pour pledger ce Kickstarter. Ça doit commencer à 12 € et puis ça augmente de plus en plus en ayant des choses supplémentaires, soit des armes supplémentaires, des choses comme ça. Vous pourriez aller voir, il y a un lien en dessous de la vidéo. Et donc c'est un genre de roguelike où, autant des Templiers, on va aller découvrir un temple qui est plein de... C'est une sorte de donjon, mais il y a des chemins énormes. Bon là c'est que la démo, donc ce sera pas énorme. Donc on va commencer la démo et on va voir ça. Donc c'est en pixel art, donc c'est assez sympa. Alors je suis désolée mais je peux pas régler la musique pour l'instant, ils n'ont pas mis de règles pour ça. Alors on se dirige, mais je pense que ça, on pourra aussi le faire à la manette avec le clavier. Hop, on va déglinguer les espèces de zombies. Ça, c'est pour le bouclier. Bon, au début, c'est facile. Ça se complique après. Voilà, on l'a eu. Alors là, on se baisse et on appuie sur R pour ramasser. Là, c'est des pièces d'armure pour réparer son armure. Alors on voit là que c'est cassé, donc je vais réparer tout de suite. Voilà, on a repris un peu d'armure. Ça, je pense que c'est l'endurance parce que au bout d'un moment, ça descend. Ici, bah, on voit son bouclier, son épée, son armure et son médaillon qui nous donne des points de vie. Ici, bah, on verra, c'est pour la dévotion quand on prie, vu ce que j'ai compris. Alors, je regardais, il y a peut-être un truc là. Non, on ne peut pas rentrer, il faut descendre. Hop. Donc. Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut réparer son armure. Donc là, ça nous explique que si on prend 1, 2, 3, 4, ça nous permet d'utiliser les items qui seront mis ici. Hop. La porte, du coup, c'est ouverte. Pensez à des dédales de cave. Alors, changement d'arme, un arc. Ouais, il faut tirer là-dessus pour déclencher. Hop. L'espèce de petit tremplin qui nous emmène. Alors, je peux courir vite. D'accord, ça nous tire dessus. Hop. Bon, c'est bon, on a évité. Ouais. D'un côté ou de l'autre. En appuyant sur A ou A, puis j'ai vu que espace, ça marchait aussi. Ah, une épée. Alors c'est là celle qu'on a. Bon, elle est plus forte ou pas, mais bon.
Tant pis, on change, on verra bien. Hop, une autre porte. Il y a vraiment des dédales là-dedans. Oula, la guillotine. Ouais, on voit ça, que mon endurance est au plus bas et autour de l'écran, quand elle est basse, ça fait des effets autour de l'écran. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Hop. Alors, pour l'instant, c'est en anglais, mais s'ils obtiennent assez d'argent, je pense qu'ils vont le traduire. Ils doivent être à 15 000 euros, il leur faut 20 000 euros pour pouvoir avoir assez d'argent pour faire leur projet. Oups, je me suis encore pris un coup. Je vais réparer mon armure encore. Voilà, parce que sinon, prochain coup que je me prends, je meurs. Là, oulala, là, là, il y en a deux. Il voulait me prendre en sandwich. Ah voilà, je suis morte. Alors ça va me faire revivre un espèce de checkpoint. Hop. Voilà. On est reparti. Bon. C'était facile. Ouais, comme ils arrivent les deux là. Oh là 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 là. C'est bon. Je pense qu'il faut faire gaffe. Non, il n'y a rien. Oula. Alors. On s'est pris du poison là. Vite. Alors le poison, l'infection. Alors il faut prier en appuyant sur Shift. Pour enlever ce poison grâce à cette statue. Voilà. Et ici, c'est notre jauge pour pouvoir prier. Alors, pour pouvoir ouvrir la porte, il faut prier dessus. Alors, prions. Surprise derrière, une espèce de zombie en fait. Alors, ouais, je pense que faut actionner ça pour ouvrir la porte. Bon, je pense que la difficulté, elle grimpe au fur et à mesure, mais ça ne m'a pas empêché de mourir. À la manette, ça doit être plus sympa à jouer. Un coffre. Une torche. Là-dedans, un bandage,
qui va nous healer et nous protéger. Soit je prends la torche, soit je prends le... Je garde mon... Bon, on ne peut pas passer. Rien là. Oula, je suis descendue bien bas là. Oh, c'est un boss ça. Bon, voilà, ça s'est fait. Je suis descendue trop bas. En principe, je trouve quand même sympa, mais... Que des conneries là. J'appuie pas sur les bonnes touches. Alors, que je me gourre pas. Y a rien dedans. On a encore un truc pour ce heal. Ouais, bon, là c'est bon. Oui, oui, oui. Ah, bah, je l'ai eu. C'est cool. Alors là, qu'on a. L'hémorragie, en gros, nous fait un bandage, quoi. Faudrait que je puisse réparer mon armure dans pas longtemps, là, parce que... Aïe, aïe, aïe. Par là ou par là? Je peux lui parler. On va aller voir là-haut. J'ai un chat dans la gorge d'un coup. Gentil petit chat. De forgeron. D'accord, partout, si on a besoin d'aide, il peut nous aider. Rien dans son coffre. Ok. Et lui là.
est optimiste, lui. S'entraîner. Bon, avant de prendre la porte, je vais regarder là quand même. Oh, y a rien. Un égout. Merde. Je suis tombée comme une cruche. Voilà. Ouh là là. Encore une petite guillotine. Oh, j'ai bien fait d'aller loin parce que là, il y a des petits grappins. Alors l'autre, il a une espèce de grosse griffe. Réduit en poussière. Méfions-nous. Ouais, bah alors là, laisse tomber. Qu'est-ce que je fais? Je vais en bas. Yeah, on va remonter, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas mieux. Ouh là là, si je me gourde de touche, ça va pas le faire. Bon, ben, on a de quoi... enlever ces infections. Faire un bandage. Oh, on pourrait partir là, mais... cette porte, mais on n'a pas fini en bas. Je sais pas comment il s'actionne. On va pas se faire la porte, tant pis. Alors, pour ce healer, on va prier. Ça. Je suis au max. Donc c'est pas la peine. Ah. Ouh. Il y a des pièges partout. Oh bah voilà, c'est là que je l'ai pas vu arriver. Ouh, bah faut que je l'aie aussi comme ça moi.
Faut réagir vite. J'aurais peut-être dû garder mon bouclier, moi. Je le sens pas, il va y avoir un piège encore. Non. On va garder celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Des rats. Il n'y avait rien d'intéressant. Je vais peut-être pas vous faire toute la démo. Je pense que vous avez compris comment ça se passe. Donc s'il vous plaît, ben, il reste 11 jours pour pouvoir l'acquérir. Normalement, il sera sur Steam, sur comment s'appelle Greenlight, c'est ça? Également. J'ai plus de flèches apparemment. Oh, je suis morte. Bon bah on va s'arrêter là-dessus. Donc ben n'hésitez pas si il vous donne envie. À bientôt.